Ah, cette plante, elle se débrouille, hein. On dirait qu'elle a trouvé un moyen pour que je m'occupe d'elle toujours. Mais je lui résiste. Je peux quand même sortir du jardin. Oui, quand même. Pour aller me promener, par exemple. Et puis, je dois vous dire aussi que j'aime bien aller ramasser des champignons. Il y a tant d'espèces différentes. Il arrive même qu'on en trouve de nouvelles, ici, en France. Il ne me paraît pas possible de connaître toutes les espèces. Je ne vais pas vous les présenter toutes, hein, ni vous dire tout ce qu'on sait d'elles. Non, le risque de digestion serait trop grand. Voilà, alors ce que je souhaite, c'est vous donner des informations pratiques, simples, et aussi des conseils que l'on peut appliquer dès la première cueillette. Et puis aussi rêver avec vous. C'est important, le rêve. Certains champignons ont des formes, des couleurs tellement extraordinaires. Mais attention, l'accueil des champignons, ce n'est pas de la magie, hein. Encore moins de la superstition. Là, précisément, il ne s'agit pas de rêver. Et non, il faut savoir. Sinon, eh ben, on s'abstient. Bon, alors maintenant, nous allons examiner une famille très répandue. Ah, c'est une drôle de famille. Parmi ses membres, on y compte le meilleur champignon qui soit, mais aussi le pire. Ah, celui-là, il est plus que pire. Ah oui. Ah oui. Les informations pratiques. Alors d'abord, comment cueillir un champignon? Ah, vous savez faire. Vous êtes sûr? Non, parce que quand on ne sait pas quelque chose, justement, c'est qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Hein? Alors regardez plutôt et bonne cueillette. Bonjour, j'ai trouvé quelques champignons, vous pourriez jeter un petit coup d'œil? Ben oui, oui. Allez. C'est fragile, les champignons. Il ne faut surtout pas les mettre dans un sac plastique. Ils y sont entassés, écrasés, cassés.
On ne peut plus les reconnaître, les identifier. Les bons et les mauvais sont mélangés. En plus, il sera très fastidieux de les nettoyer. La terre qu'il y a sur les pieds a pénétré partout. Pour que les champignons soient bien à l'aise, qu'ils respirent, ils respirent même une fois cueillis, il faut un panier bien rigide, car s'ils ne respirent pas, ils se détériorent très vite, et s'ils sont comestibles au moment de la cueillette, ils ne le sont plus quelques heures plus tard. Il est bien que ce panier possède deux cases. L'une sera exclusivement réservée aux champignons inconnus, ceux que l'on identifiera plus tard, une fois rentrés à la maison. Si possible, on prend deux paniers. Ce n'est pas difficile lorsqu'on cueille les champignons à plusieurs. Tiens, viens voir. J'arrive. On réserve un panier pour les spécimens inconnus. On est ainsi certain de ne pas les mélanger, ni qu'aucune partie des champignons inconnus ne sera en contact avec ceux que l'on connaît bien et qui sont, eux, comestibles. Et puis, il faut un couteau. Un couteau tout à fait ordinaire fait parfaitement l'affaire. On peut ainsi cueillir tout le champignon, en particulier tout le pied, ce qui est très utile pour l'identification. On évite également d'arracher le mycélium, des espèces de racines qui permettent à d'autres champignons de pousser au même endroit. Il ne faut pas cueillir tous les champignons que l'on trouve, ni abîmer ceux que l'on ne ramasse pas. D'autres cueilleurs qui, eux, les connaissent, passeront peut-être après vous et seront bien contents de les trouver. Donc, face à une espèce que l'on ne connaît pas, on ne ramasse que quelques spécimens à des stades de maturité différentes. Quant à ceux que l'on connaît, dont on est absolument sûr, il vaut mieux se limiter aux sujets jeunes. Leur goût est bien meilleur. En outre, en vieillissant, même les champignons réputés comestibles peuvent provoquer des troubles digestifs, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Alors, au fur et à mesure de la cueillette, il est intéressant de gratter la terre, d'enlever feuilles et brindilles. On procède ainsi à l'essentiel du nettoyage. On peut aussi couper les parties abîmées ou véreuses. On se gardera bien de les laver trop énergiquement. Un léger rinçage suffit. Ils sont alors prêts à être consommés, crus, tels quels pour certains, ou cuits selon votre goût et les circonstances. Lorsqu'on parle des pieds, tout le monde sait que c'est d'eux qu'il s'agit.
Et lorsqu'on parle de la tête, c'est bien sûr là que ça se passe. Et bien pour les champignons, c'est pareil. Chaque partie d'un champignon a un nom. Ces noms, il faut absolument les connaître. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils permettent de décrire les champignons, donc de savoir de quelle partie il est question quand on entend ou quand on lit une description. En haut, la partie supérieure, c'est le chapeau, facile. Sous le chapeau, écoutez bien ce mot compliqué, c'est l'hyménophore. Il en sort une sorte de poussière, ce sont les spores, en quelque sorte les graines. Ce sont ces spores qui permettent la reproduction du champignon. Cette hyménophore, on le trouve sous trois aspects différents. Des lamelles, des tubes, ou encore des aiguillons. Les endons, en dessous, il y a le pied. Sur certains champignons, il y a un anneau sur ce pied. Quand ce type de champignon est jeune, le bord du chapeau et l'hyménophore sont recouverts d'un voile, le voile partiel. Quand le champignon grandit, ce voile partiel se déchire. Il ne reste que l'anneau. Parfois, à cause du vent, de la pluie, l'anneau glisse vers le bas et il ne faut surtout pas le confondre avec la vole dont nous allons parler un peu plus loin. L'anneau aussi peut disparaître, en partie, même totalement. Il faut donc examiner les champignons très attentivement pour être absolument certain qu'ils n'ont jamais eu d'anneau. Nous arrivons maintenant à la volve. Tous les champignons n'en possèdent pas une, loin de là. Seulement les ammonites et les volvaires. Elles se trouvent à la base du pied, souvent à moitié ou totalement enterrées, c'est-à-dire invisibles. Alors, vous voyez l'utilité du couteau. La volve est-elle aussi un résidu? Lorsqu'ils sont jeunes, certains champignons sont complètement enveloppés d'un voile. Celui-là, on l'appelle le voile général. Lui aussi se déchire et disparaît lorsque le champignon grandit. Il n'en reste qu'un seul témoin, la volve, une espèce de sac. Et enfin, il y a la chair, c'est l'intérieur du chapeau et du pied. On ne peut cependant pas décrire un champignon en disant qu'il a un chapeau, des lamelles, un pied, un anneau ou une volve. Beaucoup ont tous ces attributs et beaucoup n'en ont qu'une partie et cela n'indique pas du tout qu'il soit comestible ou vénéneux.
Alors, il faut aussi décrire chacune des parties, les qualifier. Le chapeau peut être plat, bombé, conique, etc. Il peut porter des taches, des zones. Son bord peut être strié, arrondi, enroulé, etc. Sa couleur peut être blanche, rouge, jaune, etc. Mais aussi vive, éteinte, irrégulière, etc. Il y a ainsi de nombreux qualificatifs pour toutes les parties des champignons. C'est notre sens de la vue qui nous permet de percevoir ces aspects, ces différentes apparences des champignons. Alors les champignons sont également décrits en faisant appel à d'autres sens. Le toucher, il permet par exemple de se rendre compte de la consistance, de la sécheresse ou au contraire de la viscosité. L'odorat, les champignons dégagent de très nombreuses senteurs. On les utilise pour les décrire. Avec un peu d'exercice, on parvient facilement à identifier ces odeurs. Goût, enfin, ne sera utilisé que pour distinguer deux espèces très voisines que l'on connaît déjà. N'allez surtout pas mastiquer un champignon inconnu, cela peut être très dangereux, même si vous recrachez tout. Ah, une notion très importante qu'il ne faut pas oublier. Le goût d'un champignon peut être bon, et ce même champignon peut être néanmoins toxique. Très toxique, même. Il ne faut donc pas confondre bon et comestible. Il n'y a aucun rapport, pas plus d'ailleurs, qu'entre mauvais et toxique. De même, l'aspect, l'odeur, la consistance n'indiquent que cet aspect, cette odeur, cette consistance, pas du tout si un champignon est comestible ou toxique. Ces éléments permettent de décrire ce champignon, de nous aider à trouver son nom, qui il est avec certitude. Ils ne permettent absolument pas, mais jamais, jamais, de savoir si un champignon est comestible ou toxique. Ah, il faut bien l'avouer, les champignons nous attirent, nous fascinent. Mais ces charmes sont maléfiques. Nous devons absolument nous en débarrasser et pour cela examiner brièvement l'origine de cette attirance. Comme nous trouvons souvent les champignons par hasard, leur présence semble relever de la magie. En fait, les raisons qui font que telle ou telle espèce pousse ici ou là sont très complexes. Les ignorants, nous attribuons leur apparition à des phénomènes magiques. Vu leur taille, nous pouvons facilement les cueillir et de ce fait nous approprier leur magie.
Nous avons d'autant plus envie de le faire que nous savons qu'ils peuvent être comestibles et que leur goût peut être délectable. Lorsque nous ne pouvons pas les identifier avec certitude, nous devrions nous contenter d'admirer leur beauté sauvage et nous abstenir. Enfin, ne serait-ce que de les toucher. Voyons comment certaines personnes franchissent allègrement et sans s'en rendre compte le pas qui sépare la connaissance de la magie. Ce faisant, elles peuvent nous faire courir de très grands dangers. L'une des superstitions les plus répandues met en scène les escargots que nous mangeons. Et les limaces. Qui n'a pas vu une limace manger un champignon, ou bien un champignon partiellement mangé par une limace. Superstition, les champignons que les limaces mangent sont comestibles. Pourtant, un champignon mortel, l'amanite phalloïde, n'a jamais fait le moindre mal à une limace. Cette superstition en a engendré une autre en détournant l'amour pour les animaux. Mais oui, les champignons mangés par un chat ou un chien sont comestibles. Ceci est bien entendu complètement faux. L'organisme des animaux, même domestiques, est très différent du nôtre. Il réagit autrement. On entend aussi des recettes de bonnes femmes tout aussi fausses et dangereuses les unes que les autres. Le persil, l'oignon, l'argenterie qui noircissent au contact des champignons indiquent qu'ils sont toxiques. Les autres seraient bons. Ceci est absurde. Par contre, on pourrait supprimer la nocivité. En ajoutant de l'ail à la cuisson, en faisant macérer les champignons dans le vinaigre, en enlevant la fine peau qui recouvre le chapeau. Aucune de ces manipulations ne permet d'enlever de la toxicité. Aucun de ces signes n'indique la comestibilité. D'autres vous affirment sans hésitation que les champignons qui poussent dans les prés ou sur les souches sont tous comestibles. Le clitocybe de l'olivier est pourtant très dangereux. Il y a aussi des avis à propos des dépôts d'ordures, de la présence de cuivre à proximité, du soi-disant bon œil que provoque le passage de crapauds.
n'y a pas de truc pour rendre un champignon comestible, ni pour savoir s'il l'est. La seule et unique méthode, c'est d'identifier le champignon, de savoir qui on a en face de soi, comment il s'appelle. Voilà. Pensons également que les intempéries peuvent modifier l'aspect des champignons, les rendre méconnaissables. La pluie peut avoir dilué, atténué, fait disparaître presque complètement les couleurs, les taches du chapeau, enlevé l'anneau. Faudrait-il pour autant s'abstenir de la cueillette, cette merveilleuse occupation? Certes non. Simplement, il faut être attentif, observateur, perspicace et rigoureux. Au bout du compte, il ne s'agit pas de croire que, mais de savoir. Et ce savoir, contrairement aux champignons, ne vient pas, évidemment, en une seule nuit. Quelle satisfaction sera la nôtre, le jour où, pour la première fois, nous pourrons identifier avec une absolue certitude un champignon que nous ne connaissons pas quelques semaines auparavant et que nous connaissons maintenant dans ses moindres détails. Alors, selon les régions, un même champignon est appelé de noms différents. Nous en donnons ici quelques exemples. Pour chacun, le dernier nom indiqué est le nom latin, le nom scientifique sur lequel presque tout le monde est d'accord. Il n'est donc pas inutile de le connaître. Une autre notion, les goûts et les odeurs indiquées concernent des champignons encore crus au moment même de la cueillette. À tout seigneur, tout honneur, les Romains déjà le considéraient comme le roi des champignons. Sa réputation était telle qu'ils croyaient qu'en manger rendait immortel. Aujourd'hui, certes, cette réputation est toujours immense, il est très recherché. Il est facile à identifier. Son chapeau est convexe, bien lisse. Les lames sont toujours d'un beau jaune, l'anneau et la volve sont bien marqués, cette dernière s'écarte nettement du pied. Sa chair est blanche, l'odeur faible, agréable, il a une saveur de noix. Il faut absolument le consommer cru, coupé en tranches minces avec très peu d'assaisonnement. Son extrême finesse est un délice pour l'épicurien le plus blasé. Ne nous fions pas au qualificatif des guenillés, plutôt des obligeants de cette lépiote. C'est un excellent comestible, à l'odeur fine, agréable, dont la saveur est supérieure à celle de la célèbre coulmelle, sa cousine. L'adjectif déguenillé se rapporte à l'aspect de son chapeau. Oui, parce qu'il est composé d'écailles largement retroussées entre lesquelles sa chair apparaît à nu. Elle fait partie de la famille des grandes lépiotes, bien que son chapeau dépasse rarement 20 cm de diamètre. Le pied est puissant, bien lisse, sa base est renflée. Il porte un anneau double qui coulisse facilement.
Lorsque vous casserez ou couperez ce champignon, vous aurez la surprise de constater que sa chair rougit instantanément. D'un beau rouge safran. Les Allemands l'appellent d'ailleurs le parasol safran. Mais cette couleur vire rapidement rougeâtre et finit par brunir. La lépiote des guenillers pousse en colonies parfois très nombreuses ou en cercle plutôt sous les conifères. Mais elle s'accommode aussi des feuillus. Il faut se méfier de celles qui poussent sur des sols riches, comme le compost par exemple, ou les prairies grasses. Les avis des spécialistes sont partagés à leur sujet. D'après certains, il s'agirait là d'une autre lépiote, toxique cette fois, la Macrolepiota veninata. Alors, sa chair est blanche, elle dégage une odeur d'huile, de savon, pas très agréable. Sa saveur est d'abord douce, puis elle devient amère et astringente. L'armillaire, couleur de miel, est cependant un comestible très apprécié. Il faut rejeter le pied, qui est coriace. Le chapeau se conserve très bien par séchage. On préférera les exemplaires jeunes, au chapeau à peine épanoui, celui-ci possède toutes les nuances et couleurs du miel, du jaune au brun rougeâtre, avec une marge blanche. Il possède un anneau blanc. Le pied est plutôt jaune en dessous de l'anneau et blanc au-dessus. Il pousse en automne, parfois très tard dans la saison, jusqu'aux premières neiges. Il n'est jamais isolé, mais toujours en touffe très dense, à même le sol, à proximité de bois. On le trouve donc uniquement sur des racines, sur les bois morts, sur des souches ou encore à la base d'arbres qui sont en train de dépérir. Le diamètre des touffes peut atteindre 25 cm, on ne risque donc pas de le manquer. Ce champignon est un comestible remarquable, fort recherché. On le retrouve presque exclusivement dans les forêts de pins, car il a besoin d'un sol acide. Il pousse sous le tapis formé par les aiguilles. Il a parfois de la peine à percer. On ne peut alors que deviner sa présence aux boursouflures du sol. Sa chair est blanche, son odeur inexistante. Il a un léger goût de farine. Extérieurement, il est entièrement d'un beau jaune vif avec une teinte roussâtre pour la partie centrale du chapeau. Ce chapeau est nettement visqueux au toucher, on le distingue ainsi aisément du tricolore soufré, ce dernier dégageant en outre une forte odeur de gaz. La forme de ce bolet au pied élancé est bien différente de celle des espèces de bolets les plus répandues avec leurs gros pieds gonflés. C'est un bon comestible, à condition de peler le chapeau qui est visqueux, puis on le mange frit. Il pousse de préférence dans les clairières, dans l'herbe jamais très loin des conifères. Son chapeau jaune, ombré de brun rougeâtre, est lisse et brillant. Comme tous les bolets, son hyménophore est composé non pas de lames, mais de tubes. Il est jaune clair, le pied blanc passe au jaune clair, puis au brun sombre vers le bas.
Il est mou et souvent coudé. La teinte de sa chair n'est pas uniforme. Elle va du blanc au jaune et ne change pas de couleur au contact de l'air. Elle est parfumée et dégage une légère odeur aromatique. Mais c'est un très bon comestible. Alors voilà un que l'on peut qualifier sans hésiter de champignon domestique, car on le trouve souvent en grande quantité devant la porte même des maisons. C'est fréquent lorsqu'il s'agit de maisons nouvellement construites ou encore des pelouses nouvellement créées, où la terre a été amenée et remuée. La nouveauté ne lui fait pas peur, bien au contraire. Sa forme cylindrique, très originale chez les champignons, permet de les distinguer sans confusion possible des autres familles. Et ses cheveux n'appartiennent qu'à lui. Il est très savoureux, mais il faut le consommer quand il est jeune, encore bien blanc, car, catastrophe, en vieillissant, les lamelles et le chapeau noircissent, dégoulinent, et son aspect, alors vraiment, devient franchement répugnant. Ce noir était d'ailleurs autrefois utilisé comme encre de Chine. Sa chair est blanche, son odeur et sa saveur à l'état cru quasi inexistantes. Habituellement, il ne dépasse pas 15 cm de haut, mais parfois, paraît-il, il atteint 25 voire 40 cm. Malgré son nom et aussi sa forme évasée en trompette, ce n'est pas votre ouïe que ce champignon vous donne l'occasion de cultiver, mais votre odorat. Parmi les parfums violents, fruités qu'il dégage, vous pouvez en effet en trouver un qui évoque celui de la mirabelle. Cette espèce est très populaire, on la trouve même sur les marchés. Sa chair épaisse nécessite une cuisson prolongée. Son goût prononcé incite à la mélanger à d'autres aliments ou bien encore à l'utiliser tout simplement comme condiment. On la conserve alors dans du vinaigre. Pourtant, sa saveur est très très faible lorsque la goutte crue. Extérieurement, la chanterelle est entièrement d'un beau jaune paille. Quand on l'ouvre, sa chair est blanche. On la trouve en forêt de tout type, sur toutes sortes de sols, parmi les branchages morts, dans la mousse et même dans les buissons de myrtille. Son habitat est très éclectique. Mais c'est un champignon fidèle, puisqu'il repousse toujours au même endroit. Il y a donc des coins, chanterelle, à l'égard desquels on ne peut avoir que des gestes évasifs lorsqu'on nous demande d'où proviennent tous ces champignons. Quand il est jeune, on peut le confondre avec la chanterelle, ce qui n'est pas bien grave. Regardons sous le chapeau, son hyménophore n'est constitué ni de lamelles ni de tubes. Ce sont des aiguillons ou hydnes, ce qui lui donne son nom. Néanmoins, il est beaucoup plus connu sur son surnom de pied de mouton ou bien de barbe de chèvre. Voilà un sujet qui n'est pas difficile. Il pousse à peu près n'importe où. Mais il y a une contrepartie, eh oui, selon le type de sol où il pousse, et dont il se nourrit, la forme et la taille de son chapeau, la couleur de sa chair, son odeur, tout ça, ça varie beaucoup. Le chapeau est bien sec, entre le jaune pâle et le brun orangé, la marge légèrement roulée, la forme du pied est inconstante, il est souvent décentré, quelquefois complètement au bord. La chair est blanche, et si l'on l'ouvre, elle passe du jaune, puis à l'orange, au contact de l'air. Comme cette chair est très compacte, certains préfèrent le cuire à l'eau et un peu longuement. On l'appelle également saliote des forêts. C'est le cousin des bois du champignon de Paris. C'est donc un très proche parent de l'espèce qui pousse dans les champs,
Laguérite ou Psaglio de Champêtre, auxquels le patrimoine local a donné des dizaines de noms. Mais revenons à notre agarique des bois et continuons les comparaisons. Alors cette fois, avec le plus dangereux de tous les champignons, l'Amanite phalloïde. Ce qui différencie l'agarique des bois au premier coup d'œil, c'est la couleur de ses lamelles qui ne sont pas blanches mais colorées entre le crème, le rose puis le brun. L'agarique des bois ne possède pas de volve. Il exhale en plus une odeur d'anis très marquée. C'est un beau champignon, bien proportionné, presque majestueux. Et dans la poêle, un comestible de premier choix. Lactaire, parce qu'un liquide, un lait orangé, s'échappe immédiatement si l'on casse le chapeau, et délicieux parce que on lui a fait une mauvaise réputation, alors que son goût est quand même meilleur que certains ne le prétendent. Son cousin, le lactaire sanguin, est très répandu dans le midi de la France et en Espagne, et abondamment cueilli. On le trouve d'ailleurs sur le marché. Son habitat de prédilection est l'herbe qui pousse sous les pins. Inutile, par conséquent, de le chercher ailleurs. On l'appelle tout simplement sanguin, car son lait à lui est d'un beau rouge sang ou vineux bien vif. Comme chez de nombreux autres lactaires, cette famille compte des milliers d'espèces, il y a une dépression au centre du chapeau qui peut être brillant. La chair est blanche, elle jaunit, rougit progressivement au contact de l'air pour devenir verte après quelques heures. Un détail qui ne doit pas vous inquiéter au bout de quelques heures après l'ingestion, c'est l'urine qui est colorée en rouge, phénomène à classer au chapitre de la chimie amusante et sans danger aucun. Nous avons vu précédemment la très célèbre amanite de César, probablement le comestible le plus fin, le plus recherché et dont les caractéristiques bien marquées rendent l'identification facile. Tout aussi célèbre, mais pour des raisons diamétralement opposées, l'amanite phalloïde est mortelle à coup quasiment sûr. Ceux à qui cela est arrivé ne sont pas là pour le raconter. Mais on a pu observer que les premiers symptômes d'empoisonnement ne se manifestent que longtemps, au moins 6 heures après le repas. Lorsque l'on aperçoit, c'est trop tard. Le mal est fait, parfois la médecine ne peut plus faire grand-chose, car des cellules essentielles sont déjà détruites. Alors, nous n'apprendrons jamais suffisamment assez bien à l'identifier et nous en méfier, d'autant plus que l'aminine phalloïde est très répandue et qu'un seul morceau suffit à sceller notre destin. Alors, le chapeau est verdâtre, mais la pluie peut avoir dilué la couleur. Les lamelles sont normalement blanches et libres, non fixées au pied. Le pied a un anneau, mais attention, il peut avoir disparu. Et enfin, le pied a une volve, d'où l'utilité du couteau pour le dégager entièrement au moment de la cueillette. Donc, méfiance extrême dès qu'il y a en même temps une volve, un anneau et des lamelles blanches. Méfiance aussi face aux jeunes champignons qui ont un aspect de boule. Il est toujours possible qu'il s'agisse là d'une amanite phalloïde lorsque son voile ne s'est pas encore transformé en anneau et en volve, on peut parfaitement la confondre avec bien d'autres espèces. Bien que peu répandue, l'amanite printanière et l'amanite vireuse sont les deux autres membres du tristement célèbre trio des amanites mortelles. Elles sont entièrement blanches, ont une volve et un anneau qui peut bien sûr avoir disparu. Qui n'a pas rencontré la spectaculaire amanite du mouche? Ne la goûtez pas, elle vous rendrait très malade.
La pluie peut avoir fait disparaître les flocons blancs de son chapeau. Même dans ce cas, elle se différencie nettement de l'amanite de César. Ses lames sont blanches et non jaunes. Également très vénéneuse, la manite panthère. Regardez bien le bord de son chapeau. Il est strié et les taches sont blanches. Ce n'est pas le cas de la manite rougissante. Les taches sont rose-rouge et son chapeau est bien lisse. Rougissante car sa chair rougit de façon caractéristique à la base du pied. Les taches du chapeau de cette amanite sont grises et le bord du chapeau n'est pas strié. Donc, ce n'est pas une amanite panthère ni une amanite rougissante. Il n'y a pas de traces rouges à la base du pied. C'est une amanite épaisse, un comestible peu apprécié et peu fréquentable à cause justement du risque de confusion avec l'amanite panthère. Citons encore l'amanite citrine. Elle n'est pas dangereuse, sauf que sa couleur jaune peut avoir disparu. On risque alors de la confondre avec les amanites blanches qui, elles, sont mortelles. Alors, en résumé, nous limiterons nos cueillettes à deux espèces. L'amanite des Césars, dont les lamelles sont d'un beau jaune, et la manite rougissante, un très joli champignon. Alors évidemment, dans cette première cassette, nous ne pouvions pas vous décrire tous les champignons que vous pouvez rencontrer, ni même les caractéristiques de ceux que nous vous avons montrés. Alors un conseil, rejetez tous ceux que vous n'avez pas identifiés avec une certitude absolue. Hein? Alors contentez-vous de ceux que vous pouvez reconnaître avec une grande précision. Non, la vie est trop courte, hein? Et la cueillette des champignons, ben, ça doit rester un plaisir. Alors, bonne cueillette et soyez prudents. Thank you.